Hey, salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour la saison 3 d'Overwatch 2. Alors, la première saison on était dans le truc cybernétique, la saison 2 les dieux de l'Olympe et la saison 3. Ah, ok. Je me suis fait baiser. Ouais, il y a une nouvelle zone là. Donc le pass de combat, ça va être sur le Japon. Wesh, comment ça se fait que je démarre si bien là? Je commence déjà niveau 6, ok. Alors déjà, bon, pas de nouvelle légende cette fois-ci, mais... Oh, deux skins légendaires d'un coup. Ouais. Alors pour Faucheur et la Queen. Donc là on est au Japon sauf pour Queen. C'est du heavy metal. Black metal même. Hein? Attendez. Merde, j'ai passé, il va falloir que j'achète. Ok. Ma barbe est plus vieille que toi. Ah, qu'est-ce que tu veux? On est rentré en scène pour ce Kiriko. D'accord. Le poseur. Le faucheur. Black metal. Ça, c'est la Queen. Oh! Raconte-moi une histoire, et une bonne de préférence. Ok, alors, Deluxe Baptiste. Bon, les skins épiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Grenouille en bois. Attends, c'est combien là? Ah, sans crédit, ok. Ah, mais c'est cool qu'ils nous enfilent. Pour célébration. Ah, d'accord, ok, c'était dans son fond noir, ok. Pour quelle raison me crains-tu? Pour multiples raisons, en fait, je t'explique. Ah, ça, c'est le. L'icône pour la Queen. Wow, c'est qui ça? Ah, c'est Macri. Oh, l'homme invisible, trop bien! Enfin, mais le thème c'est le Japon, hein, je précise. Trop cool le flingue. C'est trop bien. Ok. La roqueuse. Sauf que là j'ai encore la tenue de Zeus. Mei. Ok. Ça ressemble un peu à celui de Torbjörn avec la lave. Ça c'est une moquerie. Ah, c'est bien sûr pour Reinhardt. On peut l'avoir. Ok. Chacal. J'ai toujours eu un don pour les flammes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le chapeau de faucheur. Sans bras. Ça, c'est. Ça me fait rappeler un Disney. Je sais plus lequel. Qu'est-ce que. Moira? Ok. Bon, Winston, t'as un truc à dire? Qui aurait cru que le strontium et le barium correctement oxydés pouvaient sublimer à ce point le ciel nocturne? The fuck? Ah, célébration pour Symmetra. Ok. Baptiste. Qui veut atteindre l'immortalité? Moi perso, moi. Alors, emote pour Bastion. Ah d'accord, sa tête est remplacée par l'oiseau. Reste en bas. Ah la bonne blague. Ah Moira, reine démoniaque. Oh. Oh oui, j'aime bien le dos. Ok, légendaire pour Moira. Ah pas mal ça, le porte-bonheur. Ça c'est quoi? Ok, c'est Moira encore. Kariko, t'as un truc à dire? C'est clairement moi la préférée.
Tag. Alors, emote pour Farah. Ok. Alors pour Zarya. Ouais, tout en chrome. Oula, ouh, je vois. Oh oui, je vois ces chacals. Sans bras. Pour Genji, célébration. Ah, ok, mes respects. C'est vrai que j'ai toujours gardé, ce skin. Avec de la détermination, tout est possible. Ouais, je confirme. M'accueille. Ah, sans moi, emote. Et j'ai pas eu le temps de voir. Attendez. Elle a trouvé un truc, on dirait. H. Non, tu veux pas? Ok. Alors, ah, mon chacal a eu un skin légendaire de passe de combat. Super. Ouais, ça fait très, c'est très Japon. Oh, les oreilles. Attends, on... R. R. Mais ça fait plus chinois. Ouais, non, mais pour lui, ça fait plus chinois que Japon. Je sais pas si c'est plutôt la Chine qui est mise en avant ou que le Japon. Essayez un peu de me faire sortir pour voir. Ok. Genji, t'as un truc à dire? Je rêve d'une plaisante réalité. Ok. Orisa, entrée en scène. Ça me fait rappeler une de ces entrées en scène, je vais vous montrer laquelle. Ah, H, une célébration. Pareil pour Genji en fait. Alors, Sigma Galactique. Ah, c'est vrai que c'est. Waouh. Ok, ouais, non, mais ça va correspondre bien avec son. Avec lui. Star du rock. Ouais, complètement. On a que juste que je mette son skin fatal. Parfois, c'est 6 tirs, un mort. Ça, c'est pour les tanks. Chopper, attendez. Ouais. Chopper, entrée en scène. Et c'est Kiriko qui a le skin mythique. Amaterasu, mais ce nom je le connais, c'est la déesse du soleil dans la mythe japonais. Alors comment ça se fait que certains c'est... Comment ça se fait que pour certains c'est... C'est plus chinois que japon. Alors là, va falloir qu'on m'explique. Oh. Apiculteur. Oh, les abeilles. On entend bien les abeilles. Ok. Ouais, donc... ah, ok. Qui dit apiculteur dit abeille. Winston Detective. Ah. Un pack de démarrage en matra. Bon, pas de nouveau les... aujourd'hui. Or, ceux-là, je les ai déjà, eux aussi. Il y a une nouvelle map. Mais est-ce que je vais pouvoir l'avoir direct? Ouais, péninsule. On a un continent. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Oh, écoutez, ça prend trop de temps. Vous inquiétez pas, je le ferai. Pardon, je le ferai. Bon, par contre, je pense qu'il n'y aura pas non plus de nouvelle légende pour la nouvelle saison de Apex. Donc, désolé les gens. Bref, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain épisode. Vous inquiétez pas, j'essaierai de faire le mode. Allez, à très vite. j'ai oublié de vous montrer le truc. Désolé, ma faute. Alors, est-ce que c'est entré en scène?
c'est pas ça. Je pense que c'est celui-là. Non, attendez. Merde, attendez. Bah en fait c'est celui-là, il me fait penser à celui-là en fait. Et un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que va y avoir trois événements, mini-événements qui vont appliquer. Celui de la Saint-Valentin, donc qui arrive la semaine prochaine, qui sera lié à Hanzo. D'ailleurs je sais pas si on a déjà un truc. Non, pas du tout. J'ai 23 sur 23. Le retour d'un des anciens skins mini-event, c'est pour Chopper, c'est le... Faut que je retrouve, non, non, non. Voilà, c'est celui-là, le Pachimari. Mais bon, les mini-événements, je les ai tous faits, donc j'en ai raté aucun. Et un crossover avec One Punch Man, le manga One Punch Man, pour Doomfist. Le Doomfist, ça sera Saitama. Voilà, voilà. Donc d'abord, ce sera la Saint-Valentin, puis One Punch Man, et enfin Pachimari. Et vu qu'on est en mois de février et que le nouvel an chinois vient de passer, ça veut dire qu'on aura les événements des archives. Donc le retour du PVE. Et ça, ça me fait très plaisir. Au moins, je gagnerai sur des persos et j'aurai plus facilement les récompenses. Bref, allez, on se retrouve. Je vais essayer de vraiment... Alors, je vous promets que je vais essayer d'avoir une game sur la péninsule d'Antarctique, même si je risque peut-être de l'avoir pendant une game normale. Allez, à très vite !